Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Logging in, tilt loading et nous sommes partis. Voilà. Bon. On n'est pas bon au niveau du nombre de jours. Alors, Oku, tu n'as pas une autre faveur à demander à Marcus? C'est vrai. Tu ne le sais peut-être pas, mais avant que j'achète cette taverne et que je me sois posé ici, je me suis fait une bonne quantité d'or en prospectant dans le désert de Daran. Donc prospecter, c'est faire de la recherche d'or en fait, tout simplement. Bien sûr, ça s'est arrêté le jour où les mines de Gazira ont été remplies de Lunari venant des tunnels les plus profonds. Dans la confusion, j'ai perdu un collier que j'avais sur moi depuis que je suis un petit garçon de Aimoku. Aimoku. La prochaine fois que tu exploreras les mines infestées, peut-être que tu pourrais jeter un œil pour le collier, d'accord. Pourquoi pas. Ok, bon, on va aller faire ça, le pauvre type, il a perdu ses trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme équipe de Solari? On a l'équipe 1, c'est parfait. La 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 la. Excusez-moi, j'ai la musique de... Voilà, c'est parti. Ah, peut-être que Shrubel va enfin pouvoir évoluer. Ah là là, c'est bien d'y croire, chers amis. C'est bien. Oh, on commence bien. On commence bien. La suite. Un vulcature. J'ai passé tellement de temps à en chercher un. Salaud! Boum! T'apprendras! Disparais! C'est pas vulcature, c'est vile créature. Voilà, c'est dit. Disparais. Hors de ma vue. Ouh, mais il va évoluer bientôt. Allez! Petit fight! Je vais envoyer que Shrubble. Hop. Et en cas de pépin, en cas de justesse, je fais une attaque de type foudre. Mais normalement, oui, voilà, il devrait y arriver sans problème. Je veux savoir en quoi Shrubble va évoluer. Ah. Bon, on doit finir le donjon, mais c'est pas grave. Oh, un Kindle ouf. Non, on va envoyer ça et ça. Allô. Voilà. Crac. Ça devrait suffire. Quick branch. Spark jump. Et une petite vague derrière. Shrubble, il est résistant. Voilà. Hop, dismiss, dismiss. Et nous sommes bons. Oui, je sais qu'il est niveau... Mince, mince. Mince, pardon. Le boss, maintenant. Oh, qu'ils sont moches. C'est des slugs? Oui, c'est des slugs. Le problème, c'est que ça devrait suffire à finir le combat, ça. C'est bien ce qui me semblait. Et boum. Ouh, il a résisté. Voilà, pas longtemps. Bon. On va pouvoir enfin faire évoluer ce 6 slug. Ce... Ouh. 4 étoiles, recrute. Je prends, au revoir toi. Ouh, dis donc. Tu me plais toi. 4 étoiles, t'es sérieux? Tu voudrais peut-être le coup que je te mette à la place de Nemonox. Est-ce qu'on a fait la quête? D'accord. Et on va aller voir notre petit Shrubble depuis le temps. Ouh! Edgelock.
Allons voir. You, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu moche? Ok, Toxic Needle. Ouh, mais c'est que c'est violent. D'accord, c'est sympa. Lornite, il me la faut. Oh, puis il révolue encore à la fin. Ah, quoique, c'est peut-être pas si mal. Par contre, oui, Nemonox, tu es 4 étoiles. Et je suis curieux de savoir à quoi va ressembler, en fait, l'autre tintouin. Hop. Si slug, slugué, oui, d'accord, ok. Attendez, il est ni... Ah non. Hop. Hop. Toi, tu m'intéresses. Ok. Change skill. Il a. J'ai cru en voir une tout à l'heure. Parmi les trois qu'il avait, il en avait une. Ah, zut. Arc Spark. Est-ce qu'il peut faire mieux? Wow, est-ce qu'il peut faire mieux? Oui, il doit pouvoir faire mieux. Arc Spark, voilà, c'était là. Ah, je peux pas lui en apprendre d'autres. Voyez donc. Bon, pourquoi pas. Ok, c'est pas grave. Bon. World Map, Kurada Colony, rentrons. Et voilà. Tu as retrouvé mon collier. Merci, Marcus. Je peux pas te dire combien de temps, how much it means. Tu peux pas savoir, je peux pas dire à quel point ça me fait du bien de le retrouver. Tu sais, je suis pas sûr qu'on a. Not sure what means. Je sais pas trop ce qu'on a retrouvé dans quand on creusait dans les mines de Gazira, mais je peux te dire que c'est très très vieux. Ouh, intéressant. Rien d'autre à me dire. Pour le fun, on va se faire un petit combat face à un vagabond. Ça va donner un petit coup de peps à notre Sislug là. On va pouvoir... Oh, il est balèze maintenant. Alors, voyons voir. Hammer Shot. Ouh, je peux attaquer directement le bonhomme. Va falloir se calmer, mon pote. Et boum! Ouh, tout ce qu'il a pris dans le nez. Ouh, bah je l'ai. Ah! J'ai niqué le mec directement. C'était violent. C'était violent. Encore un petit, pour le fun. Cette équipe est violente, j'aime ça. Hop. Boum. Hop. Et boum. Quand dans ton cœur ça fait boum. Aïe, la dragon a pris très très cher. Hop, on l'a eu. Ça la prendra. Putain, il est extrêmement puissant en fait, Edgelock. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Par contre, va vraiment falloir que j'entraîne Slislug. Ça va être violent. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a? Use the Stone Solary to win 2 fights in the Daand Desert Crossroads. Pourquoi pas. Je sais qu'à peu près je vais utiliser, donc forcément ça va être facile.
Ah oui, c'est la mission que nous avait donnée notre pote. Allons-y. Frappe fort. Mais tu bloques autant que tu veux, hein, y a pas de problème. Voilà. Par contre, sache que le deuxième va t'arriver dans la gueule et qu'il va faire très très mal. Et que si ça te suffit pas, bah je vais renvoyer une troisième. Ça te suffit pas? Parfait. Tiens, mange. Ah la vache, il l'a eu en premier, bien joué. Ça par contre, ça va lui faire très très mal. Ouf. Voilà. Respecte mon autorité. Là, et de 1. Slug qui améliore bien son niveau, c'est cool. Ouh là, il y a du monde. Vite. Alors que je fasse très très mal. Faites n'utilise pas bloc. Merci, putain. Et il le bloque? Oui, il le bloque. Chier. Attendez, je suis con. Je suis complètement con. Obsidian Drill. Ouh, les dégâts que ça a fait. Voilà. Bon, là-dedans, on ne va pas y avoir grand-chose de 4 étoiles, à mon avis. Voilà. Dismiss, dismiss, dismiss. Et on va s'arrêter là. Parfait. Le jeu a compris qu'on avait fini la quête. J'ai eu peur. J'ai eu peur à l'espace d'un instant. Voilà. C'était assez chaotique, mais je pense que j'ai pu faire quelques bonnes observations. Parfait. Marcus, j'ai eu un message important du maître de guilde Agatha de Gateway. Si tu pouvais visiter tes amis, enfin rendre visite à tes amis pendant que tu es là-bas. Si tu souhaites rendre visite à tes amis pendant que tu es là-bas, tu peux le faire. Ne fais pas comme si tu pouvais. Enfin, ne te dépêche pas de trop, tu as tout ton temps. Un road trip, comptez-moi dedans. J'en ferai partie. Délivrer un message à Agatha, donc au guild hall de Gateway. J'ai trouvé une référence à la relique Magma Strike. Comme quoi elle serait quelque part dans les profondeurs de la des mines de Gazira. Est-ce que c'est un autre donjon? Est-ce que c'est une sorte de. Enfin, est-ce que c'est un autre endroit que vous appelez donjon? Ça semble terrifiant et amusant. Magma Strike in Gazira's mine. Bon, écoutez, j'imagine que. C'est dans le dernier niveau, on va y aller une dernière fois. Hop. Ici nous avons un coffre. Granite Renewal. Je vois pas. Ici nous avons un combat. Soyons un peu fous. Hop. Et dis donc, mais c'est que... Il s'en sort pas trop mal, le petit Slislug. Boum. Oh, la vache. Salaud. Ah, voilà, ça t'apprendra. Ah, d'accord, même si c'est bloqué, ils se prennent... Oui, c'est vrai, on avait déjà parlé de ça. Si... Même s'ils sont bloqués, ils se prennent les altérations d'état. Intéressant. Extrêmement intéressant. Warden Key, génial. Allez, la suite. Encore un combat, parfait. On va envoyer la même équipe, hein. J'aime beaucoup l'évolution de Shrubble, j'ai bien fait d'attendre. Elle me plaît énormément. Boum, ça prendra. Toi aussi tu vas prendre tellement cher. Voilà.
Ok, j'aime beaucoup Edgelock. J'annonce. J'aime plus Edgelock que Cindertooth, pour être honnête. Hop. Un autre petit bout. Un autre combat. Oh, il est Toddle Rock. Si je me trompe pas, voilà. Hop, on va attendre que les deux vagues là. 24 et 28. Ben voilà, c'est laquelle on va utiliser cette fois-ci. Toxic Needle. Bah alors les dégâts. Voilà. Ah mince, j'ai pas eu le temps d'utiliser la vague. Tant pis. Ouh, 2-3 étoiles, mais non, je ne vais pas vous prendre. Désolé. J'ai déjà votre Shard Storm. Excusez-moi les amis pour ce petit problème de son. J'ai juste voulu éternuer. C'est venu de nulle part. Et boum! Oh, il a survécu, le sac. Non, non. Non, non. Ça ne te servira à rien. Quick Branch. Et il se prend normalement les dégâts. Voilà, parfait. Ouais, il est stylé, Shrubble. Le Shrubble va améliorer, il est stylé. Le Shrubble nouveau. Ah, une nouvelle compétence. Quick Splash. D'accord. Intéressant. Si par exemple, il y a bah, Résurgence, tiens, voilà. Ouh. Ça a l'air assez badass chargé de Wave. J'aurais peut-être dû y faire attention plus tôt. Parfait. Donc le coffre en or et le boss. Le boss qui sera... Oh bah dis donc. Qui sera un gros gros boss. Avec un gros 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 loading. Voilà. Hop les Blazing Jab. Oui non, il est brûlé. Oh non, j'ai eu peur que ça vienne taper, ça vienne me taper moi. On va dire. Ouh boum. Boum. Et de 1 et le 2. Et Sliss le gars survécu. Parfait. Dismiss, dismiss. Dommage qu'il n'ait pas un 3 étoiles, un crabe de feu, ils sont sympas. Ouh, ce qu'il a gagné. Parfait. Ça s'est extrêmement bien passé. Alors, Forceful Totem. Ouh. Brain Dust, 15 points. Magma Strike, le voilà, le fameux Magma Strike. Tiens donc. Hop. Est-ce que ça annonce la quête ou pas? Je pense que oui. Waouh. Je n'ai jamais pu, je n'aurais jamais cru un jour pouvoir voir un Magma Strike de mes propres yeux. Pour une personne qui ne veut pas utiliser les reliques, c'est sûr que tu t'en fais beaucoup, enfin que tu leur portes beaucoup d'intérêt. De l'XP, tout ça à foison. Bon, bah écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver mon lien vers mon partenaire GamesPlanet.com. Donc pour des clés Steam officielles à prix réduit. Pour ce qui est de commander Moonrise, le jeu se trouve donc directement dans la boutique Steam. Il n'est pas sur mon partenaire malheureusement. Ce jeu en fait est en early access, il vous propose donc par conséquent plusieurs niveaux d'achat, de précommande entre guillemets.
Donc à des prix différents. Donc j'espère cependant que ces prix vous semblent corrects. Pour moi, ça valait le coup. Pour moi, ce jeu est vraiment, enfin, je vais pas dire excellent, mais il est vraiment très bon. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!